sommes dans le bateau pirate avec lequel nous allons donc partir aujourd'hui, donc pour la grande aventure. Alors voilà, ce qu'on va faire, comme vous le savez, voilà, on va donc éviter la tornade en prenant du coup évidemment ce bateau, et puis on va tout faire pour du coup ne pas pouvoir prendre la tornade, et surtout pour pas que le bateau chavire. Et puis évidemment pour la vidéo, je suis pas tout seul parce qu'il y a toute ma famille, enfin il y a surtout mes enfants, et puis bah du coup Rick et puis le docteur qu'on a rencontré sur la route, et qui sont du coup normalement tous bah du coup dans le sous-sol, parce que voilà, évidemment on a un petit peu aménagé le bateau, on l'a un petit peu repepsé, etc. On lui a donné un petit peu de couleur parce que c'est vrai qu'il était un petit peu fade. Et donc voilà qu'il y a normalement toute l'équipe, donc notamment le docteur. Salut docteur, comment tu vas? Donc voilà le docteur qui est, aussi, qui est présent du coup pour cette aventure. Donc comment ça le docteur, tranquille? Ça va. Bah écoutez, voilà, le docteur il a l'air de bien aller. Donc on va aller voir un petit peu les... Je vais vous présenter un petit peu le bateau, donc comment il se... en quel état il se sépare, etc. Parce que vous allez voir qu'il est vraiment super intéressant. Donc Lola, alors non Lola, écoute, ça c'est des réserves de nourriture qui vont de... Mais oui, mais c'est le paradis. C'est le paradis, mais le problème c'est que si tu restes ici un petit peu trop longtemps, toi je te connais, tu vas tout manger, il y aura plus de réserves de nourriture. Attends, écoute, je prends quelques pommes. Non, oui, non, comment ça quelques pommes? Arrête. Mais on va manger quoi après? On va manger quoi après pendant les vacances? Pendant les vacances. Stop, Lola, arrête. On va même pas pouvoir manger sinon. Non mais Lola, c'est tout le... Bon, ok les potes, bon bah c'est parfait, bah vous allez voir, vous avez vu que cette semaine, bah du coup qu'est-ce qu'on va manger? Bah on va pouvoir manger de la morue, voilà, génial. On va manger de la morue et puis bah des radis, bon bah j'espère que ça va s'appeler à tout le monde. Du poisson, des pommes, ouais, bah, du raisin, oui, bon. Il faut manger équilibré. Oui, et bah écoute Lola, tout le reste il touche pas parce que sinon on va même pas pouvoir manger cette semaine. Et on va tous avoir la peau sur les os après, à part Lola du coup. Bref. Et du coup voilà, vous avez pu le voir ici, voilà, on a tout ce qui est de la nourriture qui est un petit peu plus grasse, etc. Des burgers, des pizzas, enfin bref, voilà. Non, arrête. Ok, on va la laisser, enfin, on va la laisser dehors. Nickel. Bon. Et donc du coup, évidemment, pour cette aventure, on n'est pas tout seul, puisque voilà, on a aussi emmené mon fils Twitwi qui devrait être normalement... Bah... Oh là, j'entends quelqu'un dormir, mais dites pas qu'il en... Il est en train de dormir, mais où est-ce qu'il dort là tout de suite? Attendez, il est... Lola, tu l'as... T'aurais pas vu ton petit... ton grand frère par hasard? Lola, t'aurais pas vu ton frère par hasard? Ouais, là, regarde. Ah, il dort sur le canapé. Mais Lola, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais Lola, mais qu'est-ce que tu racontes Lola? Mais non, mais Lola, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Lola, mais c'est pas de la drogue, c'est du coca. Qu'est-ce que tu racontes toi? J'ai pas bu toutes les réserves. Mais alors par contre, hé, attends, Lola, tais-toi. Lola, s'il te plaît, tu parles trop, c'est insupportable. On s'entend même plus parler ici. J'ai pas bu toutes les réserves. Twitwi, c'est toi qui as bu tout le coca qui avait par terre là? Ouais, j'ai bu toutes les réserves, y'a plus rien du tout. Mais quoi, mais tu t'es au courant que là, si t'as bu toutes les réserves, on va même pas avoir ne serait-ce qu'un seul coca pendant la semaine qui va venir là? Mais il y a l'eau de la mer, elle est très bonne aussi. Ah oui, non, l'eau de la mer c'est trop bon. L'eau de la mer elle est salée, c'est pas très bon. D'ailleurs c'est même pas potable l'eau de la mer, on peut pas en boire. C'est faut même pas en boire. Bon ouais, si on la filtre par contre. Et bah écoutez, on va apprendre à filtrer l'eau de la mer parce que voilà, c'est la seule manière de se débrouiller du coup pour survivre. Il reste quand même le distributeur avec un petit peu de nourriture. Et puis bon bah bref, écoutez, vous savez quoi les abonnés? Attends, il faut que je me lave, il me lave. Vas-y, bah du coup vas-y, je te laisse à te laver, c'est vrai qu'il sent pas très très bon. On va aller voir Rick du coup qui est dans le setup parce que voilà, on s'est organisé un petit setup du coup avec tout ce qu'il y a. Donc salut Rick, comment tu vas? Salut, ça va? Bah écoute, moi ça va super. Du coup dis-moi Rick, alors quand est-ce qu'on est censé partir? Dans combien de temps on est censé partir de l'île? Enfin de cet endroit? Bah là on va partir là, c'est prêt. Ouais. Il faut juste encore un peu de bouffe parce que je pense qu'elle a tout mangé. Et bah la écoutez, il a tout. Ouais. Non, et bah oui, justement, ils ont tout mangé. Alors ce que je te propose. Arrête de mentir. Ce que je te propose, oh mais vraiment, allez. Allez, va là-bas toi. Des toilettes allez, aussi, on a oublié les toilettes, la salle de bain. On va faire les derniers réglages qu'il y a à faire du coup dans le bateau. Et puis bah ce qu'on va faire c'est que je vais aussi aller chercher à manger dans la salle de bain. Enfin on va aller chercher à manger. À manger on va dans la faire... salle de bain tu vas aller. Non, on va aller faire une salle de bain, on va aller chercher à manger. Et surtout très important, je vais aller chercher de l'essence. Parce que tu sais, on va avoir besoin d'essence pour comment dire, pour les jet skis. Parce que tu sais, si jamais voilà le bateau vient à couler, et bah au moins on ne sera pas perdu en pleine mer, on aura des jet skis pour retourner du coup sur terre. D'accord? Ah oui. Donc voilà un petit peu ce qu'on a au planning du jour, donc c'est une journée un petit peu chargée. Et les potes, pour tous ceux qui sont actuellement sur la vidéo, dès maintenant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification et aussi à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Twitch, dis-nous aujourd'hui quel est l'objectif d'abonnement et de pouce bleu, en combien de temps les gens ils vont devoir le faire?
Ils devront s'abonner avec... Non, pas avec leur P. Non, pas avec leur P tout de suite. Non, non. Ça, c'est non, en combien, en combien de secondes ils vont devoir s'abonner tout de suite? Dis-nous, c'est quoi le défi d'aujourd'hui alors? En combien de secondes? En 2 secondes. C'est impossible. En 0,5 secondes. En 0,5 secondes, c'est-à-dire que... Attention, 3, 2, 1. Voilà, vous devez être abonné et avoir liké la vidéo. Voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, donc j'espère que vous l'avez fait. Et si vous avez réussi à faire ce défi, bah dès maintenant n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, un gros bravo à tous ceux qui auront réussi ce défi parce qu'il est vraiment compliqué. Et il n'y en aura que 7, voilà, comme vous avez pu l'entendre, qui vont réussir à faire ce défi. Donc franchement, un gros bravo à tous ceux qui arrivent à faire le défi parce que ça va être très compliqué, comme vous avez pu l'entendre. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a Lola? Si par contre on peut entendre des alarmes de l'alarme nucléaire. Sérieux, on va pouvoir entendre des alarmes? Ouais. Bah alors peut-être pas qu'on les entendra maintenant, mais écoute, tu sais quoi? Parce qu'on va, le problème c'est qu'on va pas partir maintenant. Je vais devoir aller chercher de l'essence d'abord. Oh, je vais devoir aller récupérer un petit peu de nourriture aussi. Oh là là Rick, bon bah je crois qu'on l'a compris, plein de pouces bleus sous la vidéo. Je vais devoir aller récupérer de l'essence. Ah, bah, que... Attends, je vais lire dans mes pensées. Wow. Ouais. Combien de temps est-ce qu'il nous reste pour faire tout ça? 20 minutes, bon, et bah les potes, c'est pile poil le parfait timing pour du coup partir du bateau, enfin partir de l'île en vitesse. Donc c'est parti, allez, les enfants, vous occupez de faire la salle de bain, d'accord, ok. Et moi ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps-là, je vais m'occuper d'aller chercher du coup des réserves d'essence. Oui, bah du coup, oui, non mais Lola, viens pas avec moi, toi tu vas faire la salle de bain pendant ce temps-là. Avec Toutoui. Voilà, vas-y. Bon, Toutoui et Lola, vous restez à la maison, pas à la maison, vous restez sur le bateau pour aller faire la salle de bain, d'accord. D'accord, papa. Voilà, c'est bon, nickel. Allez, bon, bah pendant ce temps-là, moi, avec Rick, on va partir du coup chez Apu pour aller chercher dans un premier temps de la nourriture, mais surtout, les amis, le plus important, beaucoup d'essence. Et quand je vous dis beaucoup d'essence, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'essence. Alors bon, ça va coûter un petit peu cher, hein, ça va faire un petit peu mal à la carte bancaire, mais bon, voilà, on en a vraiment besoin pour survivre. D'ailleurs, je suis un peu bétrique. Apu, il est un petit peu plus loin qu'ici, donc attends, viens, on va récupérer le jet ski et on va... Moi, je suis de la ville. Je sais, bah c'est pour ça que je vais aller récupérer. Enfin, on récupère le jet ski et on va aller directement chez Apu. Voilà, allez, c'est parti, tac, on reprend le jet ski. D'ailleurs, les amis, vous avez été nombreux à me demander où est-ce qu'elle était, bah, du coup, ma femme Marina. Alors, Marina, justement, elle est déjà abritée dans une île, voilà, parce que comme vous le savez, c'est une sirène et elle sait nager pendant des heures et des heures entières. Et elle a réussi à partir, du coup, la nuit, bah, il y a déjà quelques nuits de ça. Et donc, bah, du coup, là, elle est en sécurité. Vous inquiétez pas pour elle, on la retrouvera dès qu'on arrivera, du coup, dans la nouvelle île, en espérant qu'il ne lui ait pas arrivé de galère bah, ou quoi. Donc, alors, pourquoi des fois on la voit dans la miniature? Écoute, ça c'est un problème. Tu peux nous l'expliquer? Ça c'est un problème avec le graphiste qui fait des petites bêtises, qui fait des petites erreurs quand je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire comme miniature. Bon, et bah écoute, voilà, là déjà ici il y a de l'essence, donc bah écoute, bah, attends, je vais bien le garer. On va récupérer de l'essence. Alors, dis-moi, t'as voilà. Pas un petit bah voilà, déjà pour commencer on va remplir le jet ski d'essence, hein, comme ça au moins il sera déjà plein. Hop là. Comment alors, ça s'appelle déjà? On va bien le remplir. Alors ça s'appelle Jerrycan. Donc voilà, donc J. Ah oui, c'est bon. Voilà. Ok, donc on va bien remplir le bateau d'essence. Voilà, c'est bon. Il est full, c'est parfait. Et bah écoute, voilà. Toutes les barils d'essence qu'il y a là, tu vas devoir en prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur toi, ok? Et d'ailleurs, okay. Là, je crois qu'il y a Apu qui est là. Salut Apu! Comment oh, tu vas? Alors ça va ou quoi aujourd'hui? Tranquille? Ça va. Yes, bon bah je suis content que t'ailles bien. Alors Apu, écoute, si je me permets de te voir, c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, on part de l'île. Une fois, j'ai deux épiceries. Regarde, une là-bas, ouais, une là. Deux épiceries, mais le problème, c'est que là, d'ici quelques minutes, t'auras plus aucune épicerie parce que la tempête, elle va tout détruire. Mais moi aussi, je suis trop triste. La tempête, elle va tout raser sur son passage. Bah écoute, tu vas sûrement emménager dans la nouvelle île, dans la nouvelle ville où on va habiter. Ah ouais, ça va être le quick market de luxe. Et ouais, le quick market de luxe, ça va être génial. Bon, alors du coup Monsieur, il faut partir de l'île. Oui, on va partir. On va vite partir de l'île. On va aller chercher de l'essence d'abord. OK, très bien monsieur, on va partir très très vite de l'île. Merci beaucoup pour vos conseils. Allez bien. Rick, moi je te vole parce que j'en ai besoin de toi. Faut qu'on se dépêche. Apu, faut qu'on se dépêche. Mais ça va, il n'y aura plus rien après. Bon, on va avoir besoin de nourriture. On va avoir besoin de nourriture qu'il y a là, donc on va prendre toute la nourriture. Prenez tout. On va tout prendre. On va te payer. Non, mais c'était gratuit d'habitude. Un euro. Ah, bon. Tiens. Pour bébé malade. Ah, mais bébé malade, mais faut le sauver, bébé. Moi, je suis généreux. Tiens, voilà. Tu lui as passé combien, Eric? Pourquoi il a marqué agent Twitter? Merci. C'est peut-être parce que c'est un peu de mon argent. Bah écoute, vas-y, y'a pas de soucis, prends-le. Non, Rick, non, pas du plaisir. Tout, c'est de mon... Pas du tout, c'est pas de ton argent, c'est mon argent. Mais y'a marqué argent tunnel. C'est mon argent qui a... Quoi? C'est pas bref, vrai. Bref, c'est pas grave. On s'en fout si c'est un euro dans tous Attendez, les cas. Attendez, si vous avez des trucs à jeter, faites-le là.
On n'a pas besoin de jeter les trucs. Allez, viens, Rick, vite. Il faut qu'on se dépêche là maintenant. Il faut qu'on se dépêche, c'est super important. Bisous. Alors, du coup, tu l'as vu juste là. Juste là, il y a donc du coup les trucs d'essence. Alors vas-y, toi, non, justement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me tendre ton bidon d'essence et je vais remplir du coup avec ces trucs là, le niveau d'essence. Donc vas-y, tends-moi le truc d'essence. Alors attends, là, je comment le vois on pas. Fait t'as juste à mettre le truc dans ta main. Vas-y. Je l'ai dans ma main. Je le vois pas. Alors arrête de te sneak. Ah non, mais non, c'est toi qui dois mettre le bidon d'essence dans ta main, pas le truc. Mets-moi un bidon d'essence. Un bidon. Oui, il faut que tu mettes le bidon d'essence pour que je puisse le remplir, tu sais. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Et on a plusieurs à remplir. Un verre déjà. Vas-y, passe-le-moi, je vais te le remplir. Alors du coup, vas-y, rapproche-toi. Nickel. Bon, non, justement, il faut que tu le tiennes pour que je te le remplisse. Viens vers moi. Ah, d'accord. Voilà. Viens ici, tiens, hop. Normalement, tu dois en avoir plusieurs à remplir. Vas-y, mets-toi à côté de moi. Oui, j'en ai beaucoup. Ok, là, c'est parti, tac. On va remplir le premier. Ok, on est bon pour celui-là. Vas-y, mets-en-moi un autre. Tu dois avoir peut-être un rouge aussi à remplir. Et il faut tous les remplir. Hein. Donc voilà, hop, celui-là, on va le remplir. Ok, c'est nickel. Voilà. Ok, maintenant. Ok, attends 2 minutes. Ok, donc celui-là aussi, voilà. On va le remplir. Voilà, ok, nickel. Allez, on a rempli déjà 3 bidons d'essence full. Donc il va nous en falloir au moins. Allez, je pense 6, 7. Donc voilà, celui-là, le 4e. Tac, nickel. Allez, le 5e. Hop. Oh, oui. On est bon pour le 5e, le 6e, ok, donc là maintenant c'est les gros bidons d'essence, hein. Donc voilà, le 6e, attention, attends, celui-là il prend un peu plus de temps, ok, c'est bon, et donc du coup le dernier baril d'essence, allez, j'en ai beaucoup, hein. Ah, il te reste encore beaucoup, bah écoute, c'est quoi, au pire, il m'en reste encore 4, et bah écoute, voilà, on va remplir tranquillement les 4, voilà, c'est bon, celui-là il est bon, allez, donc encore 3, hop, voilà, le 3e, et attention, après on va remplir l'avant-dernier, c'est bon, l'avant-dernier, du coup, baril d'essence, bah non, après il m'en reste 2. Voilà l'avant-dernier. C'est pas compté ou quoi? Ok, vas-y. Bah du coup lui c'est l'avant-dernier maintenant. Voilà. Lui voilà c'est l'avant-dernier. Oui, là c'est l'avant-dernier. Voilà. Et donc du coup le dernier bidon d'essence. Et vous avez pu voir qu'il n'y a plus du tout d'essence d'ailleurs dans la machine. Et voilà le dernier. Hop. On est bon. Et bah écoute, c'est parti, voilà, la pompe à essence est donc maintenant vide, hein, donc bah écoutez, nous voilà. Ah oui. Et bah franchement, bah écoute, maintenant Rick, on est prêt à partir. J'ai pris toute la bouffe, hein. T'as pris toute la bouffe? Ah bah yes, c'est super. Voilà. Allez, on y va. Let's go. C'est bloqué. Ah, bah viens, on y va, c'est parti, tac. Voilà, bon. Je suis pas là. Voilà, monte avec moi Rick, nickel, voilà, c'est parfait. Allez les amis, direction maintenant le bateau. On a donc, voilà, comme vous avez pu le voir. Alors, combien de barils d'essence on a rempli, Rick, au total, là? 12, 13, alors, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a rempli 11 barils d'essence. Et eh ben franchement, je pense que ça va faire l'affaire. Plus les deux gros, donc 2 ouais. rouges et après le reste, Ok, bon bah du coup, ça nous fera donc au total 13 barils d'essence. Donc franchement, je pense qu'on a largement de quoi faire pour tenir, même on peut même mettre de l'essence sur le bateau pirate pour vous dire à quel point c'est utile. Bref, allez, c'est parti. Voilà, ok, ouais. Monsieur, on part, vous inquiétez pas, on y il va, fait monsieur. Quoi, lui? Je sais pas bizarre, ce qu'il fait là. Ah, bah je oui, vois avec une tenue d'astronaute. Hein. C'était le message. Attendez, allez, on y va, let's go, c'est parti. Allez, viens, viens, Rick, on y va, c'est parti. Bon, on va ranger du coup l'essence dans le à l'endroit, tu sais, où il fallait déposer l'essence parce que bah là, il faut vraiment qu'on parte. Hein. Allez, viens, vite, faut qu'on se dépêche là. Attends, mais il y a 10 minutes, il a dit comme quoi la tempête arriverait dans 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est dans 10 minutes qu'elle arrive, la tempête. Oh, ouais, okay. Mais je pense qu'ils se sont trompés parce que moi, je suis un grand scientifique, tu vois. Ouais, et donc, du coup, dans combien de temps elle devrait arriver là? Et donc, du coup, oh! Mais non, t'es pas du tout un grand scientifique. Elle arrive, c'est bon, elle arrive dans 10 minutes. Allez vite, range vite les barils d'essence quelque part. Il me dit pas que mes... Oh les enfants, réveillez-vous. Réveillez-vous les enfants. Il y a plein d'alcool. Oh là là. Bon, les amis, les enfants, la salle de bain, elle est où du coup, les enfants? Ah, wesh, mais... Non mais cette fois-ci, c'est de l'alcool. Mais attends, mais qu'est-ce qui leur a passé cet alcool-là, là? Oh, papa. Comment expliquer? On dormait, voilà. Mais non, mais vous avez joué avec des bouteilles d'alcool. Oh, bon, les amis, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que les enfants auraient pu faire avec de l'alcool. Mais j'espère qu'ils ont pas fait ce que je pense. Bref, alors... La toilette, elle est là. Alors, ouais, du coup, les toilettes, vas-y, présente-moi un petit peu tout. Quoi? Attends, t'es en train de me dire que là, par exemple, si jamais j'ai envie de faire pipi, je vais faire pipi devant vous tous, là, comme ça? Oui. What the fuck? Mais Lola,
Mais what? Mais wesh, mais les amis, mais dans quel monde on vit? Bon, et bah écoutez, voilà, apparemment on va donc, bah du coup, les toilettes sont donc juste ici. Voilà, n'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires de comment vous trouvez les toilettes sur 10. Donc franchement, moi, moi je mets 0 sur 10, vous êtes nuls les enfants, mais c'est pas ici qu'on doit faire, faire nos besoins. Toi-même. Moi-même? Mais non, oh là là. Bon, et bah écoutez les potes, ce qu'on va faire c'est que, Rick, t'as rangé les barils d'essence? Je sais pas où on les range. Eh bah viens, on va aller les ranger vers là-bas. Viens, on va les ranger à l'arrière du bateau. Voilà, attends. Comme ça, au moins si jamais on se fait piller par des pirates, parce que tu sais, quand on navigue dans les eaux de mer, il y a beaucoup de pirates, etc. Donc vas-y, mets les barils d'essence ici, Rick. Et comme ça, au moins on sera tranquille. Ouais, les pirates, ils vont faire quoi? Moi, je vais leur mettre une potion, ils vont partir. Tu penses qu'ils vont partir? Moi, je pense pas. Tu sais, les pirates, ouais, bien sûr. C'est les pirates, c'est très très dangereux, donc il faut faire super gaffe. Moi, si je veux, je leur fais une potion pour qu'ils partent. On va aller. Bah justement, je sais pas encore où est-ce qu'on va aller. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il faut absolument qu'on parte d'ici. Voilà. Mais t'as une idée? On va aller. On va aller dans une toute nouvelle ville. Ah monsieur, attends, il y a un truc à me passer. Vas-y, passe-moi le livre. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Dis-moi. D'après la vitesse du vent, qui est de 20 nœuds. Ouais, la tempête arrive dans 20 minutes. Ok, dans 20 minutes, monsieur, la tempête vous êtes va arriver. Ou docteur, c'est un docteur scientifique, donc voilà. Mais écoutez, la tempête devrait arriver dans 20 minutes, donc ce que je vous propose, c'est que tout le monde se mette à ses postes, et puis bah du coup on est parti, parce que les amis, là d'ici quelques temps, il va sûrement y avoir, bah du coup, oh, regardez, il commence à pleuvoir, il commence à y avoir du tonnerre, etc. Allez, abritez-vous. Je vais me mettre directement aux commandes pour conduire le bateau. Tu sais diriger un bateau, Rick? Oui. Alors, ouais, non, Lola, j'ai cru entendre dire, je sais, on va pas laisser faire. Ok, vite, c'est... Faut y aller, attends. Allez, vite, on part. Non, Lola, bouge, pas toi. Lola, non, je t'interdis de venir ici, toi, Lola. Allez, va avec tout de suite. Allez avec Tutu en cabine en bas là, allez jouer à Minecraft. Ok. Allez voilà, allez jouer à Roblox les enfants. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah mais en fait là j'ai un pilier devant moi en fait. Oh, j'ai un problème. Voilà. Allez, plus de piliers. Voilà, c'est parti les amis. Bon bah les amis, on va partir maintenant directement à la conquête des mers, parce que voilà, là on va partir sur une très très grande aventure qui va durer sûrement sur plusieurs épisodes. On va partir du coup conquérir les mers, etc. Peut-être que du coup durant cette aventure dans laquelle on va partir dans une nouvelle île, il va peut-être y avoir du coup des pirates, des pieuvres, parce que vous savez les amis, les mers, on connaît pas forcément tout ce qu'est-ce qu'il y a dedans, et donc du coup bah c'est ce qu'on va découvrir durant ces prochaines vidéos. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Oula, Apu qui conduit là. Apu qui conduit. Tonton Apu. Apu qui conduit du coup le bateau. On aura tout vu dans ces vidéos. On aura tout vu sur la chaîne. Bref. Et ben en tout cas voilà. Voilà, comme vous avez pu le voir, on a déjà pas mal avancé, voilà, ça va maintenant faire 20 minutes qu'on vogue, et comme vous avez pu le voir, voilà, on est en train de passer juste devant l'île des naufragés, donc dans laquelle voilà, on avait fait quelques vidéos avec toute la team des youtubeurs, donc franchement, c'était vraiment sympa. Alors là, Dwitwi, bah juste à ta gauche, justement, on retrouve l'île des naufragés, et puis juste devant, on trouvera... Exactement, ouais. Et puis du coup, devant... Gustavo, Twintoi. Ouais, il y avait tout le monde dans cet endroit. Et puis du coup, juste là-bas, tu peux voir, il y a le porte-avions dans lequel on a... Enfin, le premier... En fait, c'est le tout premier endroit où on allait sur l'île, en fait. Hein. Voilà, c'était ici où on a atterri, donc en avion. Et ensuite, on a pris des bateaux pour rejoindre l'île. Donc franchement, voilà, ça rappelle quand même beaucoup de souvenirs et ça me rend vraiment très, très, très triste, très nostalgique. Bref. Qui pousse par-dessus bord mes enfants là? Vous êtes des ouf ou quoi? Tu fais quoi toi? Bref, tu fais quoi, toi? Allez les potes, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu les amis, dès maintenant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, comme ça, vous ne louperez plus aucune de mes vidéos. Surtout que voilà, j'en fais une chaque jour, c'est super important. N'oubliez pas que voilà, j'ai un petit défi en plus aujourd'hui, c'est que vous avez 5 secondes pour vous abonner et mettre un pouce bleu dès maintenant. Voilà, vous avez encore une nouvelle chance si vous n'avez pas réussi à la première. Et donc franchement, si vous avez réussi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'ai réussi. Un grand merci à tous. Et puis sur ce, bah écoutez, on se dit bah à tous à la prochaine, hein. Allez, à la prochaine. Bisous. Bye.